الحمد لله الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى الله الذي يقول في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقول أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Chers frères, chers sœurs, fidèles musulmanes et fidèles musulmans, rendons tous ensemble grâce à Allah, le tout miséricordieux, Allah qui nous a permis en ce jour béni de nous retrouver dans ce lieu béni qu'est la mosquée. Nous sommes venus pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Chers frères, chères sœurs, vous savez que nous sommes dans le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mois du Maulid. Le Maulid dont on parle beaucoup. Le Maulid qui provoque aujourd'hui un mouvement de foule, un déplacement massif des musulmans du sud au nord et à travers toute la Côte d'Ivoire. Mais quel est l'objectif? Pourquoi nous faisons le Maulid? C'est bon de le rappeler pour ne pas qu'on se perde en chemin. Parce que quelquefois, lorsqu'on observe tout ce qui se passe à l'occasion du Maulid, on se sent obligé de rappeler, de faire le rappel. Nous allons donc rappeler brièvement ce qu'est le Maulid pour le croyant musulman, ou ce que doit être le Maulid pour tous les musulmans, pour ne pas qu'on laisse la route. En plus de ça, nous avons été éprouvés dans notre mosquée. Nous avons un de nos fidèles, notre frère Vakramor Touré, qui nous a quittés. Ses frères, sa famille sont là. Inch'Allah, après la prière, nous allons faire la prière d'intercession, Salatul Janaza, avant d'accompagner notre frère au cimetière. Et je précise chaque fois que le musulman, même quand il parle dans une autre langue, ne doit pas oublier sa foi. On est un peu surpris souvent d'entendre des musulmans dire, pour expliquer qu'on a accompagné au cimetière, on a accompagné quelqu'un au cimetière, on dit qu'on l'a accompagné à sa dernière demeure. Le musulman ne doit pas dire ça. Parce que la tombe n'est pas la dernière demeure du croyant. C'est une étape telle qu'on a vécu avant dans le monde des âmes. Il y a une vie dans le monde virtuel des âmes. Il y a une vie dans le ventre de la maman. Il y a une vie sur la terre. Mais aussi, il y a une vie après la mort. Donc, la tombe n'est pas la dernière demeure du défunt. C'est un lieu de passage. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Parce que rien qu'en prononçant ces petits mots, on peut commettre des grandes fautes si on a la bonne compréhension.
Alors je disais que le Maulid, c'est pourquoi? Pourquoi nous faisons le Maulid? Pourquoi nous célébrons? Chaque année, on se retrouve pour faire le Maulid. Pourquoi? C'est pour nous permettre de ne pas oublier. C'est pourquoi on se rappelle collectivement et individuellement de quelqu'un, de la personne la plus aimée, la plus noble chez Dieu. Cette personne-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que Dieu dit du prophète dans le Saint-Coran? Dieu a parlé du prophète Mohammed dans le Saint-Coran dans plusieurs endroits, c'est-à-dire dans plusieurs sourates et dans plusieurs versets. Je vais vous citer le verset 21, sourate 21, verset 107, où Dieu nous dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Il dit au prophète « Je ne t'ai envoyé que, je t'ai envoyé seulement pour être une grande miséricorde, لِلْعَالَمِينَ » pour les mondes, pour l'humanité, pour l'environnement, pour l'environnement, même animal. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est une miséricorde. C'est-à-dire que la mission, la commission que Dieu lui a donnée pour venir nous donner, chaque élément de la nature bénéficie des bienfaits de ce message. C'est en cela qu'il a une miséricorde pour le monde, pour les musulmans, pour les croyants et pour les non-croyants aussi. Tout le monde bénéficie de la mission du prophète Mohammed. Donc tout le monde est bénéficié de la miséricorde, des bienfaits de son message. Un exemple simple dans le monde moderne aujourd'hui et dans un domaine important, la capitale de la finance islamique, ce n'est pas à la Mecque, ce n'est pas à Médine, ce n'est pas à Jeddah, mais c'est à Londres. Les Blancs ont vu que le système financier que le prophète a envoyé est meilleur à tous les autres systèmes. Et ils ont développé ça chez eux. Les musulmans quittent pour aller faire ça chez eux à Londres. Ils ne sont pas musulmans. Quand ils font finance islamique, ce n'est pas pour aller au paradis. C'est pour bénéficier ici, parce que c'est bon. Dieu dit donc qu'il nous a envoyé le prophète comme une miséricorde, c'est-à-dire comme pour nous permettre de bénéficier, comme un bonheur partagé à nous tous. Lorsque vous avez une personnalité comme ça, vous devez faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Nous sommes cette année dans l'année 1445 de l'Égypte. Donc il y a plus de 1445 années que le prophète a communiqué son message. Et il est décédé, il a été rappelé à Dieu depuis quelques 10 années après. Après la Hijra. Donc chaque année, quand le jour de sa naissance arrive, les musulmans se retrouvent pour dire, venez, on va parler du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on dit? On rappelle ce qu'il a envoyé comme mission, c'est-à-dire, pour parler dans notre langage, la commission que Dieu lui a donnée pour transmettre à l'humanité, on rappelle ça, pour dire, voilà, il est venu, voilà ce qu'il est venu nous dire. Voilà ce qu'il a été lui-même, comment il a vécu. Il était un père de famille, le meilleur. Comment le prophète a été un bon père de famille? Il était un messager, un éducateur. Comment il a été un bon éducateur, le meilleur des éducateurs? Il était un chef d'État aussi. Comment il a géré le pays musulman, le pays islamique qu'il a fondé? Il était un bon voisin, le meilleur des voisins. Comment le prophète était?
dans son voisinage. Il était le réconciliateur, le meilleur des réconciliateurs. Comment il faisait pour réconcilier les gens? Donc, on prend des leçons pour dire, notre messager Mohammed, voilà comment il était. Voilà comment il se comportait avec les gens. Voilà comment il était généreux. Voilà comment il était pardonneur. Le prophète Mohammed ne s'est jamais fâché pour lui-même. Quand quelqu'un vient même pour l'injurier, pour l'insulter, il ne se fâche pas. Mais c'est quand tu touches aux principes de l'islam, c'est là qu'il se fâche. Et nous, comment nous sommes? Quand nous finissons de rappeler ce que le prophète Mohammed est venu nous dire, comment il était, comment il se comportait, quand on finit de réapprendre ça, on dit maintenant, comment je vais faire pour faire comme lui? Quand on dit que le prophète était véridique, il disait toujours la vérité. Toi, tu dis, moi, je vais tout faire pour être véridique, pour dire toujours la vérité, comme le prophète Mohammed. Quand on dit qu'il était généreux, chaque musulman doit dire, moi, je vais imiter, je vais faire comme le prophète, je vais être généreux. Il était un bon père de famille, comment toi tu te comportes dans ta famille? Voilà le sens des Maulid. Et je vais résumer pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam et sa communauté que nous sommes, il y a des droits et des devoirs entre nous. Quand Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir nous donner son message, notre droit sur lui, donc son devoir envers nous, était de communiquer fidèlement ce que Dieu lui a dit de communiquer. Et ça, il a fait. Et les musulmans ont témoigné dans son pèlerinage d'adieu. Il a demandé à la communauté, ai-je transmis fidèlement ce que Dieu m'a dit de vous transmettre? Est-ce que le travail que Dieu m'a dit de faire envers vous, est-ce que j'ai fait correctement? Les musulmans tous ont dit que tu as transmis fidèlement. Et Dieu aussi témoigne de ça. Donc lui, il a accompli son devoir. Il reste maintenant nous qui disons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quels sont nos devoirs envers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en tant que musulmans, qu'est-ce que nous devons faire envers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses à faire, c'est de croire. Al-imanu bihi wa ta'atuhu. Nous devons croire en ce que le prophète est venu nous dire. Nous devons croire et pratiquer dans notre pensée, dans notre tête, dans notre cœur, je veux dire, dans notre parole et dans notre comportement. Quand on dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ces trois niveaux. D'abord, dans ton esprit, c'est-à-dire dans ton cœur, tu dois croire que ce qu'il est venu dire là, c'est la vérité. Et tu dois le dire. Et tu dois l'appliquer. Si tu as cru, tu n'as pas dit. Tu as dit, tu n'as pas cru. Tu as pratiqué, tu n'as pas dit, tu n'as pas cru. Tu n'es pas un bon musulman. Quand on dit qu'on est musulman, on est musulman à trois niveaux. Au niveau interne. Au niveau verbal. Et au niveau de la pratique. C'est vrai. Pour expliquer chacun de ces points, on a besoin de plusieurs sermons. Mais quand on comprend globalement, ça nous aide à nous comporter mieux. Dieu nous le dit dans le Saint-Coran. « Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu » Si le prophète vous dit de faire quelque chose, faites-le. S'il vous dit de ne pas faire quelque chose, ne le faites pas. Ça, c'est au niveau de la pratique. Mais il y a d'autres versets qui parlent de la croyance dans le cœur et de ce que nous devons dire aussi
est dans la bouche. Ça, c'est le premier devoir de chaque musulman envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième devoir, hubbuhu sallallahu alayhi wa sallam wa difa'u anhu. Notre devoir, deuxième devoir envers le prophète Mohammed, c'est de l'aimer et de défendre le message qu'il est venu transmettre. Et le prophète lui-même nous le dit, Dieu nous le dit, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dieu dit dans le Coran que si vous voulez dire à Dieu que vous l'aimez, qu'il faut suivre le prophète Mohammed et Dieu va vous aimer. Et le prophète lui-même nous dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Que vous ne pouvez pas être un bon croyant si vous n'avez pas aimé le prophète plus que vous-même. C'est-à-dire, tu l'aimes plus que toi-même. Tu l'aimes plus que tes enfants. Tu l'aimes plus que ton argent. Tu l'aimes plus que toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'aimer le prophète, c'est une condition de votre foi. C'est un devoir envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisième devoir, attafaqou fi dinihi wa nashrihi. Ce que le prophète est venu nous donner comme message, tu dois apprendre à connaître ce message. Quand tu vas connaître ce message, quand tu vas comprendre, toi-même tu dois pratiquer. Tu dois aussi diffuser. Ça, c'est un devoir. C'est pourquoi nous disons que chaque musulman doit faire l'effort pour pouvoir lire le Coran en arabe. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos foyers, il n'y a même pas un exemplaire du Saint-Coran. Vous allez dans beaucoup de maisons, dans la famille, il n'y a même pas le Coran. Je le dis souvent, je dis, ton fils est aux États-Unis, il t'a envoyé une lettre. Mais qu'est-ce que tu fais pour chaque parent? On dit, ah, Madou qui est à New York, là, il t'a envoyé une lettre. Tu fais quoi? Tu vas courir pour aller lire, pour aller prendre, pour aller savoir ce qui est dans la lettre. Mais le Coran, c'est la lettre que Dieu a donnée au prophète pour nous remettre. Est-ce que toi tu as appris ça? Est-ce que tu as fait un effort pour comprendre? Est-ce qu'il y a un exemplaire du Saint-Coran dans ta maison? Donc le troisième devoir, c'est de faire l'effort de comprendre, d'apprendre et de comprendre. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, « Innama yakhshallaha min ibadihi l'ulama » que seuls ceux qui ont compris, qui ont vraiment compris la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, c'est ceux-là qui craignent Dieu. C'est ceux-là qui respectent Dieu. Craindre ici, ça veut dire aimer et respecter. Parce que si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas te comporter comme tu veux. Si tu veux être quelqu'un qui respecte Dieu, il faut que tu comprennes le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé. Quatrième devoir, al-iqtida'u bihi sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous finissons de faire beaucoup de conférences, quand tu viens écouter les conférences sur le comportement du prophète, sur sa vie, et puis tu considères que ça c'est l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne lis pas ça à ton histoire toi-même. C'est-à-dire, tu ne fais pas de liaison entre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ta vie toi-même. Si tu fais comme ça, tu ne vas pas bénéficier de Maulid. Toi, tu vas faire la fête seulement. Et ce n'est pas ça qui est l'objectif. Al-iqtida'u bihi. Faire toujours, considérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ton miroir. Quand tu t'habilles bien, avant de sortir, tu viens te regarder dans le miroir. Est-ce que tout est en place? Le prophète, il est comme ça pour nous. Quand tu veux te marier, tu dis le prophète, il s'est marié comment? Il a fait comment son mariage? Tu es bon père, tu es fait père de famille, tu as eu un enfant, tu dis, moi, je dois éduquer mon enfant. Je regarde le miroir. Le miroir, c'est le prophète Mohammed. Comment il a éduqué ses enfants?
je suis une épouse. Comment les épouses du prophète, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ses épouses? Je les garde. Si je fais quelque chose qui n'est pas conforme à ce que le prophète fait, je corrige. Hadha huwa al-iqtida'u bihi sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous le dit dans la sourate 33 Al-Ahzab, verset 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa zakara Allah katira. Que vous avez un bon exemple, une référence auquel vous devez toujours vous attacher pour vivre bien, pour vivre comme un bon musulman. Voilà, chers frères et sœurs, le sens du maulid. Il y a beaucoup qui voyagent au village, c'est vrai, après, avec le maulid, on règle beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y en a qui profitent du maulid pour aller faire les mariages, pour aller finir les palabres, pour aller parler du développement du village, pour aller régler beaucoup de problèmes, et pour se retrouver aussi. Mais en plus de tout ça, l'objectif réel, c'est de ne pas oublier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, on ne doit pas l'oublier durant toute notre vie, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, partout où nous sommes, nous devons faire l'effort pour être en symbiose, pour vivre comme si le prophète, comme si nous étions à côté de lui. Mais il y a des périodes qui arrivent où ça devient populaire. On sort, on fait des prêches pour dire, ah voilà comment le prophète, il était bon père de famille. Inch'Allah, cette année, c'est cette question de famille que le COSIM va développer. Comment le prophète a été un bon père de famille? Parce que nos familles sont menacées aujourd'hui. Les téléphones portables que nos enfants ont, ça c'est une des plus grandes fitnas de notre époque. Une des plus grandes calamités de notre monde d'aujourd'hui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu.